Bonsoir tout le monde, vous allez bien? Hop, on se cale bien au niveau de l'image pour que vous voyez bien correctement. Hop, parfait. Vous voyez bien mon petit tapis, ma petite chaise. Parfait, j'espère que vous allez bien. Et que vous êtes motivé pour cette séance du coup de placement de gym. Donc on va laisser un petit peu ce soir la muscu de côté. On va plutôt faire principalement donc voilà des déplacements et des éléments de gym pour entretenir tout ça. Donc tous ensemble ce soir. J'espère que vous allez bien et que vous êtes bien motivé. Moi en tout cas je le suis. Donc voilà, donc j'en profite, hein, là, vu qu'on va être sur des placements de gym, s'il y en a qui ont des, donc dans les gyms, hein, des renforts de poignets, des choses comme ça, n'hésitez pas à les prendre, parce qu'on va avoir des petites choses en appui notamment. Donc là, équipez-vous un petit peu comme si vous étiez à l'entraînement. Voilà, donc on attend que tout le monde arrive, j'espère que vous allez bien. Donc je vous fais un petit topo sur le matériel. Donc là, il vous faut deux chaises. Donc là, on va avoir besoin à un moment donné de deux chaises, donc vous pourrez mettre face à face comme ça. Hop. Donc après ça marche aussi si vous avez donc une chaise et un canapé ou une chaise et un bord de lit, ça suffit, mais il vous faut deux zones d'appui. Et puis après bah, toujours bah, hein, votre accès à un mur, comme d'habitude, accès à un mur, et là on a besoin de deux supports pour pouvoir s'appuyer. Puis comme d'habitude, hein, votre petite gourde, toujours pour boire une petite gorgée de temps en temps. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde est bien motivé. On va attendre un petit peu là, il est tout juste 6h30, on va attendre que tout le monde arrive. Donc équipez-vous bien, mettez vos renforts de poignets si vous en avez besoin, parce que là on va avoir pas mal, donc on va être pas mal en ATR, pas mal en appui. On va se retourner un petit peu la tête. Donc là on a besoin... Donc d'être bien équipé au niveau de vos poignets, surtout si vous avez des petites douleurs en poignet, profitez-en, mettez vos renforts de poignet. Alors on va faire nos petits réglages comme d'habitude. Salut, alors Mélusine, j'imagine voilà, que c'est Gaëtan. Super Gaëtan, j'espère que tu vas bien. Alors, donc vous m'entendez bien? C'est bon? Comme d'habitude, je me mets là, hop. Yes, dites-moi un petit pouce. Gaëtan, n'hésite pas à mettre un petit pouce si tu m'entends bien. Salut Nico. Gaëtan, je ne sais pas si tu vois, il y a Nico qui te dit bonjour. Les coachs et les gyms réunis sur le même live. Et là, on a aussi Ellie. Parfait. Nico rassemble ses petits gars, c'est génial. Alors, vous allez pouvoir me dire par rapport au volume de la musique, je me recule un peu. Dites-moi, est-ce que vous entendez bien la musique? Est-ce que vous m'entendez aussi? Bonjour Camille. Vous m'entendez? Super. Yes. Eh ben Nico, t'as tes gars ce soir. Il y a Jules qui est là aussi. Génial. Très bien les gars. Gars, ils ont envie de faire de la gym, ils ont raison, c'est bien. Alors du coup, je vous refais le petit topo sur le matériel. Donc là, il vous faut par rapport à d'habitude une chose en plus. Donc une deuxième chaise, ou une chaise plus donc, le canapé que vous avez d'habitude, ou le rebord du lit, que peu importe. Donc deux zones pour avoir un appui, et toujours accès à un mur. D'accord? Puis comme d'habitude, hein, votre petit tapis, votre gourde, et toute votre motivation évidemment. Yes, c'est ça, les gars en force ce soir sur le live. Bon, les filles, on compte sur vous aussi. Hein. Yes, on va attendre encore. Allez, une minute et puis on va démarrer. Donc, pour les autres, ce que vous pouvez faire pour activer un peu le rythme cardiaque, on va faire un petit truc tout simple. Vous pouvez commencer à faire une petite course sur place pour la première minute, là, le temps qu'on attende que les derniers arrivent. On va trottiner un petit peu sur place pour activer et accélérer le rythme cardiaque.
Donc c'est parfait ça. Les petits gars sont hyper motivés. J'espère que les filles vous l'êtes tout autant. Moi je suis prêt, en tout cas. Donc allez, on trottine. Et on démarre dans 30 secondes le temps que les derniers arrivent. Yes, très bien. Allez, on va pouvoir commencer. Donc là, on va commencer au sol. Donc au sol, par contre, il faut que vous voyez correctement mon tapis, sinon ça sert à rien. Donc là, moi, je pousse mes chaises. Surtout, si vous ne me voyez pas, vous me le dites, c'est important que vous me voyez correctement. Donc là, on va commencer par de la souplesse active au sol. D'accord ? Donc on va se mettre, donc on va s'allonger au sol. Hop. Moi, je vous le fais d'un côté, parce que de l'autre côté, j'ai malheureusement la porte de mon garage. Je ne peux pas vous le faire en entier. Donc là, on s'allonge au sol. Position des bras, c'est vous qui choisissez. Soit on se met les bras le long du corps, soit on met les bras sur le côté, soit on met les bras carrément aux oreilles, d'accord? La difficulté augmente. Là, c'est facile, moyen sur le côté, difficile avec les bras aux oreilles, d'accord? Et on va faire la souplesse active. Souplesse active, ça va être... Donc, je monte ma jambe en battement, d'accord? Sans que mon dos ne creuse. Ça, c'est hyper important. Au niveau de la quantité, on va en faire 15, d'accord? Et on maintient 5 secondes la jambe, pas forcément la verticale, d'accord? Le plus haut possible, tout, c'est qu'elle reste tendue. Et on fait pareil de l'autre côté. On y va? Vous êtes prêts? Allez, 3, 2, 1, et c'est parti. Allez, 1, 2, et on travaille bien avec la jambe légèrement ouverte, donc le genou tourné un petit peu vers la caméra. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, et on maintient la jambe aussi haut que possible, le tout c'est qu'elle reste tendue. 3, 4 et 5. Si vous faites ça, ça sert à rien. Pensez bien, on descend un petit peu l'inclinaison, c'est pas grave. Allez, l'autre jambe tout de suite, c'est parti pour 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et on maintient 15, allez, 5 secondes. 1, vous voyez, moi c'est un petit peu moins haut parce que je suis un peu moins souple de ce côté-là. 4, et 5, on repose. Donc là, on va faire exactement la même chose. Moi, je ne pourrais pas vous le faire de l'autre côté. Si à la rigueur, je pourrais faire en me retournant. Le battement sur le côté, d'accord? Les garçons, ça doit vous rappeler les balancer aux garçons. D'accord? On y va, pareil, 15, et on maintient l'ouverture maximum sur le côté. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, et c'est parti. 1, 2, 3, là, mettez bien les bras sur le côté pour faire que ça vous gêne. 4, 5, 6, et on pense à ouvrir sa jambe. Hein. Le genou, on regarde sur l'extérieur. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, et on maintient 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, pardon, j'avais dit 5, excusez-moi, je m'emballe. On fait pareil de l'autre côté. Donc là, je vous laisse faire enclencher directement le deuxième pied. Parce que moi, il faut que je vérifie les dernières connexions. Allez-y, c'est parti. On lance. 1, 2. Je vous laisse continuer le compte. Donc, je vous rappelle, vous en faites 15. Et maintiens la jambe la plus ouverte possible. Hauteur maximale, par contre, vous tendez votre jambe. C'est important, sinon on la redescend un petit peu. Donc, 15 battements. Et ensuite, on maintient 5 secondes. Après, on en aura fini pour le travail de la ligne de jambe sur la souplesse active. Ça sera aux omoplates, c'est quelque chose que connaissent bien les garçons. Dès que je fais ça, je pense qu'ils savent tout de suite de quoi on parle. Allez, je vous laisse finir. Parfait, comme ça, ça nous a permis de rattraper les petits derniers là qui nous ont rejoints. Bonsoir à tout le monde. N'hésitez pas à mettre juste un petit pouce quand vous avez fini, comme ça on redémarre tous ensemble pour la fin de l'échauffement. Là, quand vous avez fini votre deuxième série de 15 battements avec un maintien, mettez un petit pouce. Comme ça, je sais que vous avez fini, qu'on peut enchaîner. Ah, c'est moi qui me cale sur vous, hein, c'est pas l'inverse, vous inquiétez pas. Yes, salut Nelly. Alors, vous avez fini votre deuxième série de 15. Voilà, parfait. Donc là, le temps que les derniers terminent, j'en profite pour vous expliquer la série suivante. Là, le but de cette série, ça va être de la faire sans s'arrêter, d'accord? Donc là, on se met sur le ventre, qui va nous intéresser. Alors là, faut que vous me voyez bien. Hop, on va se mettre donc les bras. On vous montre quand même de face pour ceux qui ne connaissent pas. On se met comme ça, allongé sur le ventre.
D'accord. Les pouces vers le haut. D'accord. Et on va faire des petites séries comme ça. En utilisant ses pouces. Je vous l'explique, je vous le redirai, vous inquiétez pas. On va faire 10 secondes en statique, en tirant les bras le plus haut possible, en décollant du sol. D'accord. Ensuite, écoutez bien, je vous le redirai à chaque fois, vous inquiétez pas. On fait 10 petits ronds dans un sens, 10 petits ronds dans l'autre sens. D'accord. Et là, on va tirer 10 fois. Ok. On tire 10 fois. On tend 10 fois et on remaintient 10 secondes. D'accord. Ne vous inquiétez pas, je vous le redis à chaque fois. Ce que je peux faire pour que ce soit... Ben non, après, je ne vais pas avoir assez de recul. Hop, c'est pas grave. De toute façon, là, je vous donne un rythme, calez-vous sur moi. D'accord. Donc là, on est sur le ventre. On a les bras à 90 degrés et on lève. 10 secondes, c'est parti pour maintien 10 secondes. 2, 3, le but, c'est de coller ses omoplates. Rapprochez vos omoplates. 6, 7, 8, 9, 10. Et 10 petits ronds dans un sens. 2, 3, 4, ça va chauffer au niveau des omoplates. 6, 7, 8, 9, 10, 10 petits ronds dans l'autre sens. Et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, on plante les pouces dans les pouces en plafond. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, on va tendre ses bras vers l'avant. 10 fois. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Et là, on se remet en statique dans la première position en essayant de coller autant que possible ses omoplates pendant 10 secondes. Allez, ça fait 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je repose. Donc là, ça doit chauffer au niveau des omoplates. J'espère que ça va. On va en avoir fini avec cet échauffement. Buvez une petite gorgée. Et là, on va commencer avec un petit renfo de l'équerre. Donc les deux équerres qui existent, équerre jambe tendue, équerre jambe serrée, équerre jambe écartée évidemment. Donc là, préparez vos deux chaises, on va en avoir besoin. Hop. Donc là, vous mettez vos chaises face à face. Forcément, normalement, on devrait avoir... C'est pas une généralité, mais en général, c'est comme ça. Les garçons vont être plus à l'aise sur les exercices d'équerre jambe tendue, les filles plus à l'aise sur les exercices de jambes écart, jambes écartées. D'accord. Donc là, à trois niveaux de difficulté possibles. Donc là, on s'allonge, n'importe quoi. On s'assoit plutôt. Attendez, je me mets en face de la caméra, sinon ça sert à rien. Donc les fesses sur une chaise, les talons sur une autre chaise. Trois versions possibles de l'exercice. Vous attrapez votre chaise sur le côté, un peu comme des barres parallèles. Donc trois versions possibles. Soit je lève que mes fesses, d'accord. Soit je lève mes fesses et mes talons, et ça fait une réelle équerre, d'accord. Ou alors carrément je fais l'exercice au sol, j'utilise pas mes chaises, version 3, d'accord. Donc soit les fesses, soit les talons et les fesses, soit je fais l'exercice complètement au sol, ok. Donc là, ce qu'on va faire, les quantités, on va lever 10 fois, d'accord, lever, poser, 10 fois, et dernier maintien 5 secondes, ok. Alors, tout le monde est prêt, vous avez choisi votre version, allez, c'est parti pour la première série, et top, une fois. 2, 3, 4, 5. Alors évidemment, on fait ça avec les jambes bien tendues, des belles pointes de pied. 7, 8, 9, et là 10 en maintien. 1, 2, 3, 4, et 5 on pose. Donc là, j'espère et j'en suis même sûr qu'il y en a certains qui m'ont fait plein de très belles équerres comme ça, d'accord, voire même au sol. Donc ça, on va le faire deux fois, d'accord. Je vous laisse souffler une petite dizaine de secondes et on va pouvoir recommencer. Pourtant, travaillez toujours avec vos jambes un peu ouvertes, d'accord. Vous allez avoir un petit trou là, au milieu, entre vos pointes de pied, entre vos pieds. Vous êtes prêts? Allez, on refait. 3, 2, 1, 10, et on se maintient 5 le dernier. Top, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10 le dernier. Allez, on maintient 5 secondes. 2, 3, 4, et 5, on repose. Là, on relâche un peu ses jambes, on boit une petite gorgée. Parce que pour la suite de l'exercice, ce qu'on va faire, c'est que là, vous allez choisir la version que vous voulez de l'équerre. Donc, celle en levant vos fesses, que vos fesses, l'équerre complète sur les chaises ou l'équerre complète au sol. On va lancer un chrono de 20 secondes. D'accord. Le but, ça va être de tenir le plus longtemps possible en 20 secondes. D'accord. Alors évidemment, si vous retombez, vous remontez tout de suite. Le but, c'est de tomber le moins possible, mais de le faire pendant 20 secondes en continu. Ok.
Vous êtes prêts? On se remet en place. Donc, hein, l'une des trois versions. Tac. Donc, moi, je vous ferai toujours la version la plus simple. D'accord? Alors, c'est pas parce que j'ai la flemme. Hein. C'est parce que c'est plus simple de vous montrer ça pour tout le monde. D'accord? On se met en place. Donc, là, je prépare un chrono de 20 secondes. 3, 2, 1. Et c'est parti. On se met en place en équerre. Allez, ça tient. Le but, c'est de descendre le moins possible en 20 secondes. D'accord? Si vous sentez que ça fait vite, paf, on pose et tout de suite on remonte. D'accord? Allez, reste 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Et on repose. J'espère que ça va. Que les bras n'ont pas lâché, que les abdos non plus. N'hésitez pas à mettre. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez réussi. Donc à faire la série de 20 secondes sans descendre, sans reposer vos fesses niveau talon. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fera plaisir à tout le monde, à moi le premier. Parce que maintenant on va passer aux exercices sur l'équerre jambes écartées. D'accord? Donc je vous l'explique là, le temps que vous mettiez éventuellement un petit pouce si vous avez réussi. Alors, là on a besoin d'une seule chaise. Donc par contre, attention, on ne met pas ses mains n'importe comment. Vous allez mettre vos mains au milieu, par contre ne les mettez pas, je vous montre bien la chose à ne pas faire, ne mettez pas vos mains à l'avant de la chaise comme ça, parce que là la chaise sinon va basculer, et vous avec, ce que vous faites, c'est que vous mettez vos mains là, comme tout à l'heure, sur le côté de la chaise, surtout pas devant, sur le côté, là vous ne tomberez pas en avant, d'accord? Donc, position, donc, écart écarté, là, trois possibilités, version 1, jambes pliées, d'accord? Version 2, attention, alors moi je suis pas hyper à l'aise sur ça, en plus j'ai pas de place, les jambes tendues, d'accord? Jambes tendues, là pour un petit peu de souplesse forcément. Là je suis pas le roi, j'y arrive pas bien. Et la version 3, bah, c'est l'équerre écartée que vous faites au sol. Ça je vous épargne la tristesse de mon équerre écartée au sol, d'accord? Vous imaginez bien, ok? Donc soit jambes pliées sur la chaise, soit jambes tendues sur la chaise, soit jambes tendues, soit l'équerre classique au sol. Ah ben, Jules a l'air d'avoir très 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 bien réussi. Très bien, tant mieux. Yes, donc le même principe, on lève 10 fois, on maintient 5 secondes. Tout le monde a choisi sa version. Hop, on se met en place. Les fesses sont posées, les pointes sont en place. Et c'est parti, on lève 10 fois. Allez, 1, 2, 3, 4, et 5, et 6, et 7, 8, 9. Et là, on maintient 10, 5 secondes. 2, 3, 4. Et 5 on pose. J'espère que ça va. Ça pareil, on va le faire deux fois. Puis évidemment après, on fera aussi notre petit équerre tenu 20 secondes. En désordre le moins possible. J'espère que ça va toujours. Allez, on se remet en place. Ah, Lia Bordeaux a rejoint la conversation. Salut Lia. Bah, les équerres, je crois que Lia, tu y arrives bien en plus. Donc t'arrives au bon moment. Allez, on se remet en place sur sa chaise. Tac, tac, on met ses mains au bon endroit, bien sur le côté de la chaise. Et c'est reparti pour 10 relevés de fesses. C'est parti. 1, 2, 3. Alors vous faites le bien en regardant devant vous. Moi je tourne la tête, c'est pour vérifier que vous êtes toujours là. 7, 8, 9. Allez, on tient 5 secondes. 2, 3, 4. Et on repose 5. Ça va bien, toujours. Allez, la petite gorgée avant de faire le maintien 20 secondes. Hop. Donc là, même principe que tout à l'heure, hein, vous choisissez votre option. Jambes pliées, jambes tendues ou au sol. Je lance un chrono de 20 secondes. Et puis on voit le nombre de fois, enfin combien de temps vous arrivez à tenir sans tomber. Comptez le nombre de fois où vous avez reposé vos fesses. Ok? Allez, on se remet en place, on va reprendre dans à peu près 10 secondes. Ah, ça va commencer à tirer à ce niveau-là, là. Les écarts écartés, ça tire par là. Surtout quand on est un peu pas très très souple comme moi. Mais je sais qu'il y en a bien beaucoup, ça veut rien dire. Il y en a beaucoup qui sont bien plus souples que moi. Allez, on se met en place. On choisit sa version de l'équerre. Je m'avance un peu pour que je sois plus au milieu de la caméra. Hop. Vous êtes prêts? Allez, on place ses mains. 3, 2, 1. C'est parti. 20 secondes. Écart jambes écartées. Allez, on regarde bien devant soi, on essaie de sortir la poitrine. Je sais qu'il y a des souples dans ce groupe. Allez, on se maintient bien.
Ça tient. Vous êtes à 15 secondes. Il en reste 5, 4, 3, 2, 1. Et on repose. Ok, alors pareil, s'il y en a qui ont réussi à tout faire d'une traite sans poser leurs fesses, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en attendant de le refaire. Donc, une fois de chaque équerre, ce qu'on a fait les deux maintiens de 20 secondes, on va le refaire une fois de chaque équerre. Donc là, on va refaire l'équerre jambes serrées. Le but, c'est de tenir plus longtemps que la première. D'accord ? Normalement, ceux qui ont réussi d'une traite la première, vous devez évidemment réussir d'une traite la deuxième. Parce que vous êtes encore plus chaud que tout à l'heure. Trois fois, ben c'est pas mal de reposer trois fois déjà. Parce que cet écart-là est plus dur. Hein. En général pour les garçons, qui sont un petit peu moins souples en général. C'est bien ça. Allez, on se remet en place. On refait l'équerre jambes serrées. Donc pareil, vous remettez sur une des versions de, sur la version de tout à l'heure. On lève ses fesses, on lève ses talons. On se met au sol. Moi, je prépare mon chrono. Vous êtes prêts? Ah, il y en a qui sont à égalité. Élite est à égalité avec Nico sur l'équerre écarté. Objectif, tu dois le battre à la prochaine, au deuxième essai. Allez, on se met en place pour l'équerre jambes serrées. 3, 2, 1, et top, c'est parti. Allez, on monte ses jambes. Tendu. Ça doit tenir 20 secondes. Allez, ça tient. Je sais que vous allez y arriver. On est déjà à la moitié. Ça fait 10 secondes. Allez, on contracte fort ses cuisses. Ainsi que ses abdos avec des belles pointes de pied. Et top, on repose. Ça fait 20 secondes. Je suis sûr que vous avez fait mieux que tout à l'heure. Allez, on souffle. Il ne nous reste plus qu'une série donc à faire avec les jambes écartées. 20 secondes aussi. Et après, on aura fini notre petit renforcement de l'équerre. On se remet en place pour les jambes écartées. Donc, soit au sol, jambes tendues pour la version difficile, soit sur la chaise, jambes tendues, soit jambes pliées, comme j'ai montré tout à l'heure, pour la première version. On se met en place. Allez, 3, 2, 1, et c'est parti. Allez, donc on est en place sur son équerre. On tient le plus de temps possible. 20 secondes, si ça retombe, c'est pas grave. Hop, si je suis là et que je pose mes fesses, hop, tout de suite je remonte pour faire le moins de temps possible. Le but c'est que les cuisses doivent être le plus possible vers l'horizontale. Allez, on tient, vous y êtes presque, et top, on pose. Très bien. Vous pouvez relâcher un petit peu vos jambes là. Donc alors, Nico, Ellie, qui a battu l'autre sur la deuxième série? Qui a battu l'autre? Ellie, Nico, vous avez fait combien? Donc là, on voit un petit coup. Ah, oula, Ellie, perfect, t'es pas tombé? J'ai magnifique. Ah, bah, en égalité, ils font exprès. Bah, pas le choix, hein, vous vous débrouillerez. Après le live, vous faites une troisième série pour vous départager, puis vous direz qui a fait mieux que l'autre. Hein. Après, méfie-toi, Ellie, Nico, il triche des fois. Alors, du coup, ensuite. Alors, là, on va passer sur un petit renforcement du pont. D'accord? Alors, le pont. Donc là, il vous faut forcément soit un canapé, soit une chaise calée. Par contre, ne vous prenez pas une chaise calée contre rien, parce que sinon, votre chaise va se promener. D'accord? Donc, le pont... Donc ça, je vous ai déjà dit, je suis pas un grand souple, donc moi le pont, je ne vais pas être le meilleur exemple. Vous le ferez bien mieux que moi, d'accord? Donc là, le but, ça va être d'ouvrir vos épaules au maximum, d'accord? Donc ce que vous allez faire... Alors, interdit de se moquer de mon pont, par contre, hein, je vous préviens. Donc là, vous placez en pont, les jambes en surélevé, c'est important. Hop, on se place en pont. Alors évidemment, un pont, hein, un bon pont, vous savez que normalement, les jambes sont tendues, les jambes sont serrées... Donc ne faites pas ce que je fais, faites plutôt ce que je dis. Donc là, on se place en pont. Et ce que je vais vous demander, c'est de donner des petits à-coups avec vos épaules. Comme ça. D'accord, des petits à-coups en ouvrant vos épaules. Ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 8 petits à-coups en ouvrant vos épaules. Donc je vais voir... Oula, je ne me cogne pas la tête. Je vais voir cette action-là. 8 fois d'ouverture d'épaule une fois que vous êtes en pont. Ok. Et une fois qu'on a fait nos 8, on tient avec les épaules les plus ouvertes possibles en pont. D'accord, pendant 5 secondes. Donc 8 ouvertures.
et en maintien en pont, les épaules le plus ouvertes possible, avec les pieds en surélevé comme je viens de montrer. Ça marche? Allez, on se met en place, les pieds sont sur le plan haut, donc soit le canapé, soit la chaise. On se met en place. Allez, tout le monde est en pont. Et top, c'est parti pour 8 ouvertures d'épaule. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On maintient 5 secondes. 2, 3, 4 et 5. Et donc là, on peut reposer délicatement son dos en rentrant sa tête pour ne pas se faire mal à la nuque. On boit un coup, parce que ça, évidemment, on ne va pas le faire qu'une fois. On va le refaire une seconde fois. Je vous laisse boire, puis on se remet en place pour le refaire une fois. Allez, on se réallonge. Si vous avez terminé, on se réallonge. On remet ses pieds sur la chaise. On se replace dans son plus beau pont avec les jambes bien tendues, les genoux bien collés, les épaules ouvertes. Et c'est parti pour la deuxième série, ouverture d'épaule. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On maintient 5 secondes. Ça fait 2, 3, 4 et 5. On repose tout doucement en rentrant sa tête sans se faire mal. Très bien. J'espère que ça va toujours. Bon les gars, j'espère que vous êtes aussi bons en pont qu'en équerre. J'en doute pas. Alors, parce que là du coup, on avait nos deux pieds sur le plan incliné. Là, on va pouvoir essayer d'enlever une jambe. Ça, c'est un petit peu plus dur. On a les petits, si je ne sais pas s'il y a des pratiquants de la team gym là sur le live, ça va vous parler un petit peu plus. D'accord? Donc là, ce qu'on va faire, vous placez donc... Ah, c'est pareil, interdit de se moquer. Hein. Hop. On se place en pont, on ouvre ses épaules au maximum. Et là, l'objectif, ça va être de lever une jambe. D'accord? Ah, par contre, une belle jambe tendue. D'accord? On ne fait pas une jambe comme ça. Ok? Donc, on se place en pont. On lève une jambe. Et ce qu'on va faire, on va faire deux séries de 10 secondes sur chaque jambe. On tient 10 secondes une jambe. On repose évidemment entre chaque, parce que sinon, je pense qu'on va perdre des jambes. D'accord? Par contre, possibilité de le faire au sol. Là, je l'ai fait en surélevé. Vous pouvez tout à fait le faire au sol sans utiliser la chaise. Ok? Donc, allez, on se place en pont. Je vous laisse libre choix de l'ordre de vos jambes. De toute façon, il faudra faire chaque jambe deux fois. On se place en pont. On tend ses jambes. Et à mon top, tac, on lève une jambe. Tac, pendant 10 secondes. Allez, ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, on repose. Donc là, on va se mettre en place pour lever l'autre jambe. On se remet en place à son pont. On souffre un petit peu plus entre les deux séries, ne vous inquiétez pas. On monte ses épaules, on les ouvre. Et là, attention, on tend la deuxième jambe. Et c'est parti pour 10 secondes. Ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On repose tranquillement, toujours en rentrant sa nuque. Enfin, rentrant sa tête plutôt pour ne pas se faire mal à la nuque. On boit un coup. Parce que ça, on va le refaire une deuxième fois. Alors souvent, le pont, on dit « Ah, je ne suis pas très souple du dos, j'arrive pas, ça fait mal. » Avec le pont, c'est une histoire d'ouverture d'épaule et que ça sert à tout le monde. Il n'y a pas que les filles pour les souplesses avant, arrière et tout ça. Les garçons, ça aide beaucoup pour le saut de main notamment. D'accord? Donc très important de s'assouplir au niveau des épaules. Les ponts, c'est intéressant. Et puis, évidemment, il n'y a pas que le pont. Il y a tout ce qui est flip aussi. C'est très important d'être à l'aise en pont pour être à l'aise en flip. Alors, ensuite, donc on va le refaire. Vous remettez en place. On se remet en place, donc sur sa chaise, pied sur le pont. Je vous épargne là, encore la démonstration un peu hasardeuse de mon pont sur une jambe. On lève ses fesses, on ouvre ses épaules. Et une fois qu'on est bien en place, on peut donc tac, plier la jambe pour la montée. On la tend. Et c'est parti pour 10 secondes. Allez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et 10, on repose la jambe,
le dos, les fesses, délicatement. Pas besoin de se relever parce qu'on va vite enchaîner avec la deuxième. J'espère que vous êtes prêts. Allez, on relève son pont. On se met en place, on lève sa deuxième jambe et c'est parti pour 10 secondes. Allez, tapez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On repose tranquillement. Le tout, on boit un coup et il ne nous reste plus qu'un exercice. Après, je vous laisse tranquille avec le pont. Je laisse vos épaules et puis aussi évidemment un peu votre dos tranquille quand même. Là, l'exo, le dernier exo, ça va être sur le même principe que les équerres. Là, vous choisissez la version que vous voulez du pont. Alors moi, je pense que c'est plus simple là, de ne pas utiliser votre chaise. Vous enlevez la chaise. Ah, vous faites votre pont au sol. Donc le pont, c'est vous qui choisissez le pont. Donc soit les deux pieds au sol, soit vous levez une jambe, soit vous levez l'autre jambe. D'accord, c'est vous qui choisissez. On va faire deux maintiens de 20 secondes. Pareil, le but, c'est de rester statique en pont pendant 20 secondes. D'accord. Comme ça, vous verrez, quand, si vous arrivez à tenir un pont, que ce soit une jambe, deux jambes, trois jambes, peu importe, vous y arriverez toujours à maintenir un pont en 3 ou 4 secondes, comme on vous demande, si là, vous y arrivez en faisant 20. D'accord. Donc, on se met en place, en pont. Vous êtes prêts? Choisissez votre version du pont. Allez, on s'allonge au sol, on lève son pont. 3, 2, 1, c'est parti pour 20 secondes. Allez, le but, c'est de ne pas descendre. Verrouillez bien vos muscles, serrez vos fesses, ça va jouer beaucoup là-dedans, serrez vos fesses. Et si évidemment vous levez une jambe, la jambe doit être hyper tendue, même si elle pointe pas le plafond, c'est pas très grave, mais au moins faites une belle jambe tendue. D'accord? Allez, reste 5 secondes. 4, 3, 2, 1, et on repose. Très bien. Allez, on boit un petit coup, et ça on le refait une deuxième fois, et après, on en a fini avec le pont. J'espère que ça va toujours. Allez, on se remet en place pour ce deuxième pont. Donc on s'allonge, les bras aux oreilles. Et à mon top, on lève le tout, on met sa jambe si besoin. Et c'est parti pour 20 secondes de pont. Ce sera notre dernière série pour le pont. Allez, on est pratiquement à la moitié, à 10 secondes, ça y est, on y est. Attention, on repose. J'espère que ça va toujours. Yes, alors Vincent, j'ai chuté 3 fois. Alors en pont, c'est normal. C'est un peu doux quand on n'en fait pas forcément hyper régulièrement. Les gars en font un peu moins. Donc chuter 3 fois en 20 secondes, c'est déjà bien. Je vous avoue que moi, j'ai jamais essayé de faire un pont pendant 20 secondes. À mon avis, je chute au moins 3 fois aussi comme toi, Vincent. Donc c'est déjà bien. C'est déjà bien 3 fois. Parce qu'il y en a pour qui faire une équerre, ça paraît très difficile. Il y en a pour qui faire un pont, c'est très difficile. Donc c'est très bien. 3 chutes en pont, c'est pas mal. Alors, là, on va passer sur quelque chose qui va parler un peu plus à tout le monde. Là, les équerres, ça te parlait peut-être un peu plus aux garçons, les ponts. Un peu plus aux filles. Donc là, on va faire de l'alignement. On va faire des beaux ATR. Donc, premier exercice. Et Nico, il se moque, mais est-ce que lui, il avait ses jambes bien tendues, bien alignées parfaitement en pont? Tu lui demanderas, Vincent. Allez, donc ensuite pour nos petits alignements. Donc premier exercice, il est tout simple, c'est juste pour nous mettre en jambe. Donc on va faire des séries de rétroversion du bassin, c'est-à-dire vous ne voyez pas, donc faut que je bouge mon tapis, parce que si je vous montre et que vous ne voyez rien, ça ne sert à rien. Donc là, on n'a pas besoin des chaises. Hop, vous avez juste besoin de me voir. Voilà, c'est bon. Hop. Donc là, on s'allonge. Les bras, 3 possibilités. Donc, soit on fait facile main à côté,
du corps, le long du corps, pardon, sur les bras, sur le côté, sur les bras aux oreilles. La seule chose que je vous demande, d'accord, c'est de ne pas avoir de creux sous le bassin, sauf que là, on va pas faire du statique. On va donc faire tourner ce bassin, d'accord, 10 fois, faites 10 fois tourner ce bassin, une rétroversion du bassin, et on maintient 10 secondes, d'accord. Donc évidemment, vous choisissez votre position si les bras sont derrière. Un petit peu plus compliqué, mais on est plus proche de la position d'ATR. Ok, moi je vais le faire avec les bras sur le côté. J'espère que tout le monde est prêt. Donc 3, 2, 1, et c'est parti. On serre les fesses, on bouche le trou. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et là le dixième, on maintient 10 secondes, il n'y a pas de trou, on soulève votre dos. Hyper important, ça fait 3, 4, allez, on est statique, ça bouge pas, ça bouge pas, ça bouge pas. 8, 9 et 10. J'espère que ça va, ça on va le faire deux fois chaque exercice, si je dis pas de bêtises. Alors il n'y a que le premier, pardon. On le fait deux fois, les autres on les fera trois fois. D'accord, lui c'est juste histoire de se mettre dedans. Ok? Allez, on se remet en place, on le fait une deuxième fois. Donc on s'allonge sur son tapis. Donc là, moi, je peux vous montrer, si vous voulez, à la verticale, l'action qui est hyper importante à faire, vous êtes là. Si vous ne faites rien, vous devez avoir les fesses légèrement en arrière. D'accord? Ça va être cette action-là d'envoyer le bassin vers l'avant. Donc, normalement, de serrer les fesses, ça suffit. En rentrant votre ventre, évidemment, mais en étant allongé, pour le coup, c'est plus facile. D'accord? Parce que naturellement, votre ventre va se rentrer. Ok? Ah! Gaëtan est obligé de partir. Pas de problème. Salut, Gaëtan. On s'allonge? Se remet en place, placez vos bras à l'endroit que vous avez choisi. Et c'est reparti, on recommence. Allez, top le bassin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et là, 10, on maintient, le bassin est bien tourné vers l'avant. 5, 6, 7. Donc là, les fesses sont hyper contractées. 9 et 10, on peut relâcher. Très bien, donc ça c'était notre petit échauffement pour les séries d'alignement qu'on va faire juste après. Donc là on va commencer par l'ATR, attention, pas l'ATR une seule jambe, on le fera juste après celui-ci. Là ça va être l'ATR au grand écart, d'accord. Alors je corrige ce que je dis, c'est pas l'ATR au grand écart, c'est l'ATR vers le grand écart. Chacun a son grand écart, vous verrez que moi je ne serai pas au grand écart du tout. D'accord. Par contre, j'aurais aimé vous le montrer de profil, ça aurait été beaucoup plus facile pour vous expliquer. Je vais essayer de faire un peu de place. Donc, le but, c'est que vous ayez un mur, parce que si je vous montre sur ce mur-là, ça ne servirait à rien. J'ai un mur là, d'accord. Donc là, vous allez vous mettre dans cet axe-là, d'accord. Vous mettez dans cet axe-là, le but, c'est pas de mettre vos mains contre le mur, d'accord. C'est de reculer suffisamment vos mains, d'accord, pour avoir votre pied donc, qui va partir en premier. Alors, j'essaye de ne pas tout casser chez moi. De ne pas m'écraser la tête par terre, hop, hop, d'avoir le pied, donc le pied libre, pour moi, celui-ci, qui touche le mur, d'accord, d'être en grand écart et de n'avoir qu'un seul pied qui touche le mur. J'espère que tout le monde a compris, parce que je ne suis pas trop en capacité de pouvoir vous faire une super démonstration. Je peux vous le faire dans cet axe-là, j'ai un peu plus de place. Hop. Donc là, pour le coup, je suis un petit peu près de mon mur, d'accord, vous devez reculer vos mains, vous devez vraiment reculer vos mains du mur, à peu près, entre guillemets, à peu près la longueur de votre jambe, vous devez écarter vos mains du mur. D'accord, si vous êtes en grand écart. Donc trois possibilités. Soit je me mets mon pied à plat contre le mur. D'accord. Soit je mets mon pied juste en pointe de pied contre le mur. Soit je ne touche pas le mur. D'accord. Et on va faire des maintiens en équilibre au grand écart de 10 secondes ou 15 secondes. D'accord. Moi je vais compter jusqu'à 15. Vous arrêtez soit à 10, soit à 15. J'espère que tout le monde est en place en fente. Face à son mur, ne mettez pas vos mains trop près. Vous êtes prêts? Allez, 3, 2, 1, et top, c'est parti. Équilibre au grand écart. Donc on doit avoir le même écartement, d'accord, des jambes par rapport au bassin. Ça fait 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On peut descendre. Pour ceux qui s'arrêtent à 10, on est à 12, 13, 14 et 15 pour les autres. On peut descendre. Donc quand je rappelle les trois versions, le pied qui touche le mur, soit il est à plat contre le mur pour bien se maintenir. Soit il est juste en pointe de pied, d'accord. Il n'y a que vos orteils qui touchent le mur, d'accord. Donc vous aurez un petit peu moins de maintien. Soit vous n'utilisez pas du tout le mur, ok. Donc ça, pareil, on va le faire celle-ci trois fois, d'accord. Donc là, normalement,
Là, ce serait logique aussi qu'on devrait avoir les filles qui sont un petit peu plus à l'aise sur cet équilibre-là parce qu'elles sont plus souvent amenées à le pratiquer à l'entraînement. Donc, c'est normal. Allez, on se met en place. Équilibre grand écart, tout le monde est en fente. Face à son mur, on y va. 3, 2, 1, et c'est parti. Pose de main, pose de pied contre le mur, si on utilise le mur. Et c'est parti pour 10 ou 15 secondes. Allez. On souffle, on se grandit, on appuie dans ses épaules. Il ne faut pas que les épaules s'affaissent. On appuie dans le sol avec des jambes hyper tendues, des pointes de pied hyper poussées. Allez, on y va, on tient. Et top, on s'arrête pour 10 secondes. Et attention, pour ceux qui font 15, on s'arrête maintenant. On redescend. Ça va toujours ? Allez, buvez un petit coup avant la dernière série. Et après, on passera sur l'équilibre une jambe. Allez, buvez un petit coup. Remettez-vous en place face à votre mur. On se remet en fente. Donc, je vous rappelle, pour être soit plus facile, mettez-vous bien en fente et allez chercher loin en passant par la planche. D'accord ? Donc, on est en fente. 3, 2, 1. Et c'est parti pour cette troisième série. On équilibre grand écart. Soit le pied à plat, soit le pied en pointe tendue. Soit on n'utilise pas son mur si on maîtrise bien l'équilibre grand écart. Allez, on peut descendre pour ceux qui sont à 10 secondes. Et il reste. Top, on descend également pour ceux qui sont à 15. Donc là, on a fait nos 3 séries en équilibre grand écart. On va passer à l'équilibre une jambe. Donc l'équilibre une jambe, là, on va pas vous embêter à... Ah, j'ai quoi que j'ai mis ? Non. On va faire tout le temps la même jambe. D'accord, le but quand même, c'est que vous soyez à l'aise sur votre jambe de fente. Donc là, l'équilibre une jambe. Alors là, manque de... Je peux vous le montrer de ce côté-là. L'équilibre une jambe, donc là vous collez pour le coup vos mains au mur, d'accord, ça va être important d'être bien aligné. Par contre, l'idée c'est d'avoir une jambe à la verticale, une jambe à l'horizontale. Donc la position par laquelle je passe quand je monte en ATR, je vais éviter d'essayer de me casser le pied contre la barre qui est juste derrière. Hop, là j'appuie dans mes épaules et je dois avoir une jambe à l'horizontale, celle-ci, d'accord, une jambe à la verticale, d'accord. Alors à vous de gérer l'écartement, d'accord. Là, j'ai peut-être mis maintenant un chouï trop près. D'accord ? C'est pas hyper facile. Ça paraît plus facile à expliquer qu'à montrer. D'accord ? Souvent, on est un petit peu fermé. N'hésitez pas vraiment à ouvrir. Mais attention, pas trop. Le but, c'est pas non plus de redescendre. Ok ? Donc, on se met en place en fente. Pareil, on va faire 3 séries de 10 secondes. Ou de 15. Comme vous le sentez. Je peux compter jusqu'à 15. Ceux qui veulent faire 15, vous pouvez. On se place contre le mur. Donc là, les mains collées au mur un petit peu, pas trop. Laissez à peu près, allez, peut-être l'équivalent d'une main entre vos mains et le mur. On y va, vous êtes en fente, rose oreille, 3, 2, 1, et top, c'est parti. On place la première jambe, la deuxième s'arrête à l'horizontale, et on tient 10 ou 15 secondes. Allez, je sais que vous allez y arriver, on est pratiquement à 10 secondes, on descend pour ceux qui veulent s'arrêter à 10 secondes. Et attention, top pour ceux qui font 15, on redescend. On redescend, on souffle un coup, il nous reste 2 fois à faire de ces petits exercices. Après, il nous en restera 2 et on aura terminé donc notre petite série d'alignement. J'espère que ça va toujours, on se remet en place en fente. Donc pour faire l'équilibre, une jambe une deuxième fois, on se met en place, 3, 2, 1, et c'est parti. Fente, on place sa première jambe. 10 secondes. Allez, on essaye de conserver un écart de 90 degrés entre la jambe à la verticale et la jambe à l'horizontale. On peut redescendre pour ceux qui sont à 10. Et attention, 3, 2, 1. On descend pour ceux qui font 15 secondes. Allez, buvez un petit coup, une petite gorgée, pas plus. Avant la dernière série. J'espère que vous êtes prêts. On se remet en place. En fente. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Passage par la planche. On pose ses mains, on place son bassin. C'est parti, 10 secondes. Et 15 pour ceux qui veulent faire un petit peu plus. Attention, il reste 2, 1, 10 secondes. Et il reste 3, 2, 1. Pour ceux qui veulent faire 15 secondes, on peut descendre. On en a fini avec cet exercice, je vais pouvoir vous expliquer le suivant.
Donc là, on va travailler un petit peu le transfert d'appui. Donc le transfert d'appui, là, il vous faut une chaise stable. Soit une chaise stable, soit un canapé, ça marche aussi très bien. Mais attendez, je vais plutôt le faire comme j'ai fait tout à l'heure, c'était plus pratique. Hop. Donc là, vous avez trois positions pour vous placer. Décidément, ça ne veut pas tenir. Hop. Trois positions pour vous placer. Soit vous vous placez en planche. Est-ce que tout le monde me voit? Non, il faut que je m'éloigne un peu. Donc, soit vous mettez en planche, soit vous vous mettez hop, en placement dedans. D'accord, je ne sais pas, un super placement dedans en plus, que je ne suis pas très souple, vous le faites mieux que moi. Soit vous vous mettez en ATR contre un mur, d'accord. Et de là, donc le transfert d'appui, il va y avoir deux possibilités. Donc soit, donc là, je vais vous montrer de face, ça sera beaucoup plus simple pour que vous compreniez. Je vous le montre en planche, c'est la même chose de toute façon en placement de dos ou en ATR. Là, donc soit vous venez, donc vous êtes en planche, imaginons, et vous venez toucher avec votre main l'épaule opposée, d'accord. Soit vous venez toucher avec votre main votre hanche ou votre cuisse ou votre fesse du bon côté. D'accord. En transférant l'appui, c'est-à-dire que quand j'enlève une main, je transfère mon poids sur l'autre main, d'accord. Comme quand je fais une valse, ok. Je fais pas ça, parce que sinon je vais m'écrouler. Donc je transfère mon poids et je viens toucher sur le côté. Ok, donc dans l'une des trois positions, soit en placement de dos, soit en planche, soit en placement de dos, soit en équilibre, ok, contre le mur. Et donc les transferts, on va en faire 8 de chaque côté, d'accord. Donc 1, ça va faire, ça fait 1, donc si vous voulez, ça va faire 16. Alors là par contre, je ne vais pas forcément compter parce que ceux qui font faire ça, ça va aller un petit peu plus vite que ceux qui vont venir toucher la cuisse, d'accord. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais lancer la série, tout le monde va la commencer en même temps. Mettez-moi un petit pouce quand vous avez terminé, d'accord. Histoire qu'on sache si tout le monde a bien terminé. Allez, on se met en place, donc soit en planche, soit en placement de dos, soit en ATR. Tac, tout le monde se met en place. Et on va commencer notre série de 8, donc je vous rappelle, hein, 8, c'est 1 de chaque côté. Vous pouvez compter jusqu'à 16. 3, 2, 1, allez, c'est parti. Je vous laisse compter à votre rythme. On compte jusqu'à 16 pour faire 8 de chaque côté. S'il y en a qui veulent, évidemment, on peut monter à 10 de chaque côté, donc vous comptez jusqu'à 20. Donc évidemment, quand vous avez fini, hein, vu que là je ne compte pas, parce que tout le monde n'est pas au même rythme, mettez-moi un petit pouce quand vous avez fini. S'il y en a notamment qui touchent leur cuisse ou leur hanche, vous aurez fini en dernier, c'est normal. Mettez-moi, c'est ok pour les hanches. Je comprendrai que ceux qui ont fait cette série-là ont terminé. Donc là, je vous laisse finir. Vous comptez jusqu'à 16 ou jusqu'à 20. Et dès que vous avez fini votre série, vous mettez c'est bon pour les épaules ou c'est bon pour les hanches. Ou pour les cuisses ou pour les fesses, comme vous voulez. Mais comme ça, je sais que tout le monde a terminé cette première série. Allez, on transfère bien son appui. Ça doit chauffer un peu dans les épaules. Allez, vous allez y arriver. On va au bout, on va au bout. Yes, ok pour les hanches. Donc parfait, ça veut dire que normalement toutes les séries sont terminées. Nickel, merci Vincent. Là, celle-ci, on va la faire deux fois, d'accord, parce qu'elle chauffe un petit peu. Ok, aïe, ça chauffe. Bah écoutez, parfait. Allez, celle-ci, on la fait que deux fois, elle pique un petit peu plus. On se remet en place, on la fait une deuxième fois. Si vous sentez que vous pouvez faire une version un petit peu plus dure, vous pouvez essayer, n'hésitez pas. Le but, c'est par contre, c'est d'aller au bout. Allez, on se remet en place. Cette deuxième série, 3, 2, 1, et c'est parti. Deuxième série, pareil, je vous laisse compter à votre rythme. Pensez bien à alterner vos, donc à, pardon, à bien transférer votre appui. Si j'enlève ma main droite, je transfère mon poids sur la main gauche et vice-versa. Transférez vos appuis et vous verrez que c'est, vous allez ressentir exactement ce que vous faites quand vous faites une valse normalement. Donc pareil, un petit mot dès que vous avez fini vos séries, comme ça on est sûr que tout le monde a terminé. Allez, on va au bout, on transfère ses appuis, on va jusqu'au bout, c'est la dernière. Celle-ci, je ne vous embête pas à la faire trois fois, elle est difficile. Par contre, pensez bien à votre placement. Si je suis en placement de dos, je reste en placement de dos. Si je suis en planche, je reste en planche. Si je suis en ATR, ben j'évite de m'écrouler, évidemment.
Allez, on va au bout, on va au bout. Allez, je sais que vous allez y arriver. Vous avez fait le plus dur, là. Yes, allez. On va au bout. Youch, parfait. Donc, Eli est terminé. Yes, merci Vincent, merci Eli. Parfait. Donc là, je vais laisser un peu vos épaules tranquilles. Vous buvez un coup. Je vais pouvoir vous expliquer le dernier exercice. Donc, il va être un exercice un peu différent. C'est pas d'alignement pour le, de l'alignement pour la terre, c'est de l'alignement pour la planche. D'accord ? Donc là, la planche, on pense tout de suite, c'est plus pour les garçons, pas du tout. La position de planche, elle est hyper importante pour les filles aussi, notamment au bar. D'accord ? Donc cette position, elle est hyper importante. Donc on va y avoir trois petites versions de l'exercice. Alors, c'est pas un exercice facile, je vous l'accorde. Donc, la position de la planche, bon, vous la connaissez notamment avec la chaise, hein, mais là, le but, ça va être de la faire sans la chaise. D'accord ? Donc je vais avoir normalement mes épaules un petit peu plus en avant. Alors, voire peut-être même un peu plus d'ailleurs. En avant par rapport à mes poignets, d'accord. Donc il y a trois versions de l'exercice possible. Donc vous mettez là, dans cette position là, faut pas avoir le dos trop rond, normalement faut être à peu près à plat. Là vous avancez un peu vos épaules et le but ça va être de décoller ses jambes. D'accord, je suis là et je décolle mes jambes. Vous voyez, là je suis en appui uniquement sur mes mains. D'accord, alors c'est un peu traumatisant pour les poignets, c'est pas facile. On va faire des maintiens de 3 secondes, ça sert à rien d'en faire de trop ou plus, d'accord. On va faire 5 maintiens de 3 secondes, il y a trois versions de l'exercice, donc soit celle-ci, de toute façon moi c'est la seule que j'arrive à faire. Si vous avez soit celle-ci avec les deux jambes pliées, soit vous tendez une jambe, d'accord. Ceci par exemple, je n'y arrive pas du tout, d'accord. Donc pareil, je vous ai épargné la démonstration. Donc soit les deux jambes pliées comme je vous ai montré, soit une jambe pliée, une jambe tendue, vous choisissez la jambe qui se tend. Soit les deux jambes tendues, alors là je vous fais encore moins une démonstration, et vous écartez les jambes sur le côté. Ça c'est la planche, d'accord, telle qu'elle, ok. Donc 5 maintiens, 2-3 secondes, ok. Ça, je vais les compter, parce que de toute façon, les secondes, c'est les mêmes pour tout le monde. On se met en place dans la version que vous avez choisie. Allez, les épaules un peu en avant. On se met sur les pointes de pied, puis on essaie de les décoller pendant 3 secondes. 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, et 3 en pause. Ok, donc je vous rappelle, hein, 3 versions possibles. Soit les deux jambes pliées, soit une jambe pliée, une jambe tendue. Soit les jambes tendues, écartées. Bon, s'il y en a qui sont hyper chauds, qui veulent faire les jambes tendues, serrées, vous pouvez, mais là, faut être solide. Hein. Allez, la deuxième. 3, 2, 1, c'est parti, et 1, 2, et 3, on repose. À chaque fois, n'hésitez pas à mobiliser un peu vos poignets, ça tire sur les poignets. On mobilise un peu, il ne reste plus que 3 à faire. Allez, on se remet en place. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, 1, 2, et 3, on pose. J'espère que ça va toujours, on n'a plus que 2 à faire. Et après, on va se remettre un peu en place avec des petits étirements tout doux. Allez, la quatrième. 3, 2, 1. Et c'est parti. Allez, 1, 2, et 3, on repose. Allez, on bouge ses petits poignets avant la dernière série. On va arriver au bout. 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Hop, la troisième série. 1, 2, et 3, on repose. Allez, j'espère que ça va bien. Buvez un dernier petit coup avant qu'on se fasse des étirements. Tout doux. J'espère que tout le monde va toujours bien. Et que vous m'avez fait des super planches. J'en doute pas. D'autant que vous savez, vous le savez peut-être pas, mais dans le, là dans le live, il y en a un qu'on appelle Planchman. Je vous laisse savoir, je vous laisse imaginer qui c'est. Mais là, on a un spécialiste dans le, dans les gens qui sont avec nous sur le live ce soir. Alors je vous laisse finir de voir un petit coup. Donc pour s'étirer, on va se remettre un peu le dos en place parce qu'on a tortillé un petit peu quand même avec ses ponts. Le dos n'a pas trop l'habitude qu'on le mette dans ce sens-là. Donc on va se remettre un peu le dos dans le bon sens. Donc pour ça, vous allez vous mettre en petite boule, on va faire des culbuto. Alors on va pas juste basculer en arrière. Hein. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez basculer en arrière et là vous allez essayer de mettre vos deux genoux à gauche de votre tête. D'accord ? Mettez-moi vos fesses en l'air. Hop, attendez, moi je prends la place qu'il me faut. Je suis là, je bascule et j'essaie de placer mes deux genoux à gauche de ma tête. D'accord ? Alors là, vous devez voir toutes mes fesses, mais c'est pas grave. J'ai mes genoux bien placés à gauche de ma tête.
On maintient. On fait ça 10 secondes. Puis on revient. On va refaire la même chose. Je bascule et les deux genoux, je les mets à droite de ma tête. Hop. Allez, je pose. Comme ça, on étire. On étire les muscles qu'on a dans le dos. Alors, on le remet dans la position inverse qu'on a fait tout à l'heure pendant les ponts. On revient une dernière fois. Et là, on va essayer de mettre un genou de chaque côté. D'accord ? Donc, on rebascule une dernière fois. On écarte les jambes. Hop ! Et on met un genou à droite, un genou à gauche. Là, c'est pareil, vous devez avoir les fesses au plafond, c'est pas grave. Le but, c'est de remettre son dos en place. Et on revient tout doucement. J'espère que ça va. On va relâcher tout doucement cette petite jambe qu'on a pas mal contractée, parce qu'on a beaucoup travaillé avec les jambes tendues depuis le début. Là, vous allez relâcher. Mettez vos jambes pliées, secouez-moi tout ça, ça doit bouger. Pour que ça gigote, hein. Les muscles ont été contractés, ils étaient durs, là on leur demande d'être mous. Donc relâchez-vous. Relâchez vos jambes, relâchez vos muscles. Voilà, et c'est sur ça donc qu'on va terminer la séance. J'espère que ça vous a plu. Tant que vous avez fait des beaux placements de dos, des belles planches, des belles équerres, des beaux ponts. Donc on fera quelque chose de différent la semaine prochaine. Du coup, je vous donne rendez-vous demain donc avec Nelly pour tout ce qui est donc renforcement du bas du corps, plutôt cuisse abdos fessiers, avec un petit peu de stretching à la fin. Donc voilà, j'espère que la séance vous a plu. N'hésitez pas voilà, à faire un petit commentaire si vous voulez avant qu'on en termine avec ce live. N'hésitez pas, on est là pour ça. Donc voilà, si vous voulez passer un petit coucou, mettre un petit mot, n'hésitez pas. Je vais laisser tourner encore la caméra quelques petites minutes. Sinon, donc à tous ceux qui doivent y aller, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis donc à demain donc avec Nelly. Et donc avec moi, donc on reprendra donc mercredi. D'accord ? Mercredi prochain. Salut Vincent ! Très bien, bon bah sur ce, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Reposez-vous bien et je vous dis à plus tard. Bonne soirée à tous.